Cherchez peut-être un barrage. Cloud, je confirme que nous avons terminé d'étudier la région de Junon. À travers cette contrée balayée par les vents marins et le souffle de l'histoire, j'ai pu approfondir mes connaissances sur la République. En examinant le passé d'une nation qui a dominé notre monde, nous discernerons mieux le devenir d'une compagnie qui contrôle nos vies. Merci infiniment pour ces rapports d'une utilité précieuse. Je compte sur toi. Allez, à toi! Désolé. De raison. Ouais.
d'avance.
Ouais, terminé en beauté! Yeah.
compte sur toi. Il faut que je sois forte. Maintenant, c'est du sérieux. Je compte sur toi. Non, mais... Je vous félicite d'avoir réussi à maîtriser Phénix. Je dois avouer avoir été complètement fasciné par les flammes chimériques de cet oiseau immortel. Vous n'avez pour ainsi dire plus rien à craindre avec ce compagnon ailé qui renaît toujours de ses cendres. On ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'un voyage, alors soyez très prudent, s'il vous plaît. Okay. Et là, qu'est-ce que tu dis?
Ils ont carrément bâti un réacteur Mako au fond de cette mer. Croix. Hein? Drôle de grenouille. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je vous préviens, cet endroit est interdit aux adultes. Oh. T'es un humain? Bien sûr que oui. Je sais pas si c'est à cause du réacteur Mako qui est au fond de la mer, mais bizarrement, quand on vient ici, on se transforme tous en grenouilles. C'est qui, eux? Ils sont pas de la Shinra, au moins? Oh non, ça risque pas. Oh, mais attendez, Priscilla m'a parlé de vous en fait. C'est vous qui avez tué un gros monstre dans le port? Oui, exactement, c'est nous. Alors, t'es un copain de Priscilla? Sans plus, on se connaît depuis qu'on est tout petit, c'est tout. Y a pas beaucoup d'enfants dans notre village d'abord, alors on se connaît tous, c'est normal. D'accord, je vois. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous faites tous ici? Ça se voit pas? On joue à saut de grenouille. C'est beaucoup plus marrant quand on y joue à plusieurs. Puisque vous êtes ici, vous voulez essayer vous aussi? Aidez-nous! Ok. Cloud, à nous de jouer. Quoi? Tifa! Ben, je vous avais prévenu! On se transforme tous en grenouille quand on vient dans cette crique. Mais bon, vous devez être tellement fort que ça va même pas vous gêner, pas vrai? Ça va? On peut commencer? Ouais, j'ai vu pire. Merci d'avoir joué avec nous.
Vous pourrez revenir quand vous voudrez. En tout cas, t'avais l'air de bien t'amuser. Tu peux parler? On devrait rejouer de temps en temps. Non, ça va. Je préfère éviter. Croa, croa. Mais arrête! Croa! Croa, croa, croa! J'espère que la brigade des jeunes du NIP, ces derniers temps, on remonte que des créatures monstrueuses. Il y a quelques années, ces eaux étaient bien plus calmes. Du temps de la République, Priscilla est attachée. Ces vénérables bâtisses burinées par les embruns me font penser à des fruits presque trop mûrs. Se craquelle. Les effets de lumière de ce livre. On se charge de te protéger, alors t'as pas à t'inquiéter. Hey Cloud, quand est-ce que t'es parti de chez tes parents, toi? À 14 ans. Ah non, c'était au printemps, alors j'avais encore 13 ans. Ah, à la campagne, c'est souvent comme ça. Mais ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'y était pas opposée. C'était plutôt normal dans mon village à cet âge-là. Mais... Mais quoi? Elle m'avait donné 2000 guilds. Elle disait qu'il me faudrait au moins ça pour démarrer dans la vie. Ta mère a fait comme Rhonda, alors? Sauf que moi, j'ai refusé. J'allais m'engager dans l'armée. J'en avais pas besoin. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu demandes toujours 2000 guilds. Te précipite pas. Adieu!
Allez, ensemble. Ouais, laisse-toi faire. Allez, cache-toi. Deux secondes. J'en vois tout d'un coup, c'est des prières. Ça va pas. Ça fait mal, hein. Comme ça, je vais toutes les mettre en plein dans le mille. Ça va de ton côté. Hey Cloud. Ouais, quoi? Certains parents laissent pas leurs enfants voler de leurs propres ailes, hein. Ils disent qu'ils sont encore trop jeunes ou trop naïfs, ou une autre excuse du même genre. Ouais, peut-être. C'est même sûr. Mais moi, tu vois, j'ai décidé que je ferais jamais un truc pareil. Je tiens à respecter le désir d'indépendance de Marlène. Bah quoi? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Tu crois que j'en suis pas capable, c'est ça? Exactement. Non, t'as raison. Je me suis promis que je laisserais partir, mais je sens que j'y arriverai pas. Marlène, je t'en supplie, t'en vas pas. Oh, je m'imagine déjà la scène. Marlène. Ne te précipite pas. J'attendais que ça. T'en veux encore? Je vais t'éclater. Il est temps de faire un carton. Allez, à toi. Je te montre ce que je sais faire. Ça va, ton Ça me va. Meurs. Marlène. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'imagine déjà quand elle quittera le monde. J'y arriverai jamais. Calme-toi un peu, Barrett. Même si elle décide un jour de partir, ce sera pas avant longtemps. Ouais, c'est vrai. T'as raison, Cloud. Faut vraiment que j'arrête d'imaginer des trucs comme ça. Elle partira pas avant pas mal d'années. Croise les doigts. Hey!
Garde ton sang-froid. Mais t'en mets plein la vie. Hé! Viens chercher! Hé! Je sais! Ah, bon, c'est ça! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comme d'habitude, t'es toujours plein d'énergie, toi. Tiens, vous êtes qui, vous? C'est ta mère qui nous envoie pour escorter Cabillaud jusqu'ici. Parce qu'elle lui a remis un peu d'argent de poche pour toi, vois-tu? Si ça vient de ma mère, alors j'en veux pas. J'ai pas besoin de son aide. Dylan, qui sont ces gens? Claire, tu devrais pas venir ici. Et si jamais tu faisais une chute? Quoi qu'il en soit, je refuse de prendre ça. Partez, et emmenez Cabillaud avec vous. Eh ben, t'es vraiment aussi têtu que ta mère, dis donc. Mais on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Oh. Prends-le, c'est pour vous deux. Hein? Tant que ça? Si vous en voulez vraiment pas, vous pouvez le rendre, bien sûr. Mais bon, attendez au moins jusqu'à la naissance du bébé. Quand vous serez parents, vous changerez d'avis. Croyez-moi. C'est vrai que ça peut servir. Bon, d'accord. Dylan, je me demandais où t'étais. Toby. Désolé de pas être arrivé plus tôt. Vous êtes bien les gens d'Avalanche? Rhonda m'a dit que vous viendriez ici. Avalanche? Tu veux dire que c'est eux qui ont détruit les réacteurs Mako? Oui, les gens qui portent tous nos espoirs. Ah, c'est un véritable honneur de vous rencontrer. En fait, puisque vous êtes là, j'aurais un petit service à vous demander. En ce qui concerne Dylan, j'imagine que vous avez rempli votre mission. Ouais, c'est réglé. Bien. Dans ce cas-là, j'aimerais vous expliquer sans plus tarder ce que j'ai à vous demander. Venez, s'il vous plaît. Quand j'ai vu vos exploits à la télé, j'étais tellement époustouflé. C'était fantastique. Wow, j'arrive pas à croire que les héros d'Avalanche vont m'aider. J'ai l'impression de rêver.
phare qui se trouve au bout du cap. Et quelqu'un s'y est installé sans rien nous demander. Apparemment, c'est une mercenaire qui veut faire des affaires à Junon. C'est Kyrie, ça. Hein? Attendez une minute. Vous la connaissez? Ouais. Ah bah ça alors, ça tombe bien! C'est sans aucun doute le destin qui nous a réunis. Le truc, c'est que ce phare, on s'en servait comme tour d'observation à l'origine. Comme il y a pas mal de créatures dangereuses ces temps-ci, on aimerait bien pouvoir le récupérer. Si ça vous dérange pas, est-ce que vous pourriez demander à cette personne de partir? Elle se serait fait un nom grâce à de nombreux exploits à Midgar et dans la prairie. Mais franchement, c'est très louche. Parce que bon, qu'est-ce qu'elle fait au juste, cette mercenaire? Personne ne sait vraiment. Il est juste là-bas, au bout du cap. Du temps de la République, il servait à guider les navires. Mais bon, c'était il y a des lustres. Quoi qu'il en soit, c'est à l'écart et plein de créatures dangereuses. Il n'y a personne qui va aller jusque là-bas pour louer les services d'une mercenaire. Oh, merci beaucoup. Quel soulagement de savoir que je peux compter sur votre aide. Quelqu'un s'y colle avec moi? Qui, moi? Ça sent les ennuis à plein nez. Dans ce cas, ça fait de moi le candidat parfait. Ah, au fait, si vous avez un peu de temps, vous devriez aller faire un tour vers la colline. Avec de la chance, vous pourrez peut-être apercevoir le condor, qui sait. Si ça vous intéresse, allez-y.